Qu'est-ce que cette année t'a appris de plus essentiel sur toi ? Ça a été au niveau du partage, parce qu'on était au sein de brigades dans lesquelles il y avait énormément de nationalités différentes. Mm-hmm. Et c'est vrai que chacun apportait un peu de sa culture, ne serait-ce qu'au niveau culinaire ou bien des traditions de tous les jours. Et je pense que c'est super pour la créativité en cuisine, donc c'est vraiment ce que je retiendrai cette année. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour ton avenir ? Pour ma vision au niveau des chefs et de la cuisine. Mm-hmm. Parce que cette année, on avait la chance d'avoir une proximité avec des grands chefs qui ont accompli beaucoup de choses dans leur carrière. Et voir un peu leur parcours, c'est enrichissant et c'est super. Quoi. C'est super motivant pour nous, pour l'avenir. Quoi. Si tu devais ramener une recette de tout ton voyage, ce serait laquelle ? Je la prendrais en Suède, où là-bas, on avait un concept qui s'appelle les Farmers Dinner, mm-hmm. où on accueillait tous les producteurs alentour. Et qui chacun ramenait un produit spécial en fonction des soirées. Et ensuite, on les cuisinait très simplement. C'était vraiment la nature en avant. Et donc, cette recette, c'était la langoustine, simplement cuite dans un beurre savoureux rempli d'épices et avec une brioche sur le côté, une mayonnaise à l'algue qui était parfaite. Donc, c'était vraiment super. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à tes chefs ? Leur dire un grand merci aux chefs, forcément. Et puis, leur dire que ça restera un moment marquant pour notre carrière, je pense, parce que c'est quelque chose dont on se souviendra toujours et qui aura vraiment changé notre état d'esprit. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc là, c'est vrai que juste après l'école, on est parti à l'étranger tout de suite. Maintenant, c'est vrai que pour l'avenir, j'aimerais d'abord revenir un petit peu en France, découvrir les régions françaises que je connais pas forcément. Et donc j'aimerais me diriger vers l'Alsace et on verra la suite.